Bonjour mesdames, gros salutations, content de brancher avec nous aujourd'hui. Encore une fois, on a parlé aujourd'hui, pas dans le quartier général là, mais nous on en base, nous n'avons pas en base, mais nous la caille nous de préférence. Et donc, quelques points qui sont censés dominer l'actualité à sous-plan ici aux États-Unis, n'a pas que. Bon, et débat toujours fait là entre républicains, donc négociations continuent entre républicains avec la Maison Blanche pratiquement, donc nous avons dit un congrès sur affaire d'augmentation et plafond dette pays qui normalement il y a 33,4 milliards de dollars. Et que au besoin augmenter li mais républicains au réticent mais républicains veulent pour que et administration Biden lui-même couper non c'est de dépenses gouvernement ça que normalement administration pas d'accord avec yo donc de gagner une date qui est les dates limite qui c'est 1er juin date que d'après secrétaire trésor américain et bien, les États-Unis sont capables de payer l'argent pour le payer dette, pour l'honorer la dette qu'ils gagnent, ensuite pour le payer fonctionnement du gouvernement. Et puis, au Mexique, le gouvernement mexicain, en particulier dans le sud-ouest, sous frontière, les États-Unis partagent avec les Mexicains, ils ont commencé l'opération déloger. Donc, déloger les immigrants qui vivent dans ces deux camps, qui tout près de la frontière. Tout le fonds des États-Unis partage avec le Mexique, là, donc l'autorité, il a construit de l'autre tente de fortune, des tentes en plastique, mais beaucoup plus professionnelles, qui ont, ça c'est moi-même qui construis, il y a plus d'abri provisoire, il y a plus de bail, l'offre plus de bail, mais les immigrants ne peuvent pas aller. Je dis non, parce que d'abord, son tente qui est en plastique, je dis qu'elle parle en dedans, t'as les différents balles pour la dedans, parce qu'au moins, il y aura plus qu'il était constant de détention qui est tout prêt à. Que l'Office national de migration a été possédé dans la zone, qui dépend du fait ça quelques mois. Et bien, il y a là-dedans 50 immigrants qui étaient morts, et puis il y a plusieurs dizaines d'autres qui étaient blessés. Donc, nous n'y pas là. Mais l'autorité a forcé quand même. Il a forcé à écraser, et tant de gens ont écrasé, arraché, chiré, et puis là, il y a un camion fatra pour ajouter. Donc, il n'y a pas de l'autre choix que aller parce que d'après un secrétaire et conseil municipal et sous la loi Estrab, il dit que il pensait que les immigrants ont l'autre alternative qui est plus intéressante. Et non seulement il y a des cabanes, mais côté à tout, et il y a un climatiseur en dedans, il y a de l'eau potable, et puis, bon, pratiquement il y a une toilette. Donc, bah là, puis bon, d'après sa autorité locale, là, dit. Et puis, bon, la Russie avec l'Ukraine, toujours à Bokote Koudzam, toujours à Bokote Koudzam, dans le moment que l'Ukraine toujours attend et renforcement que la communauté internationale à Bali, pour être capable de même continuer la bataille avec la Russie, une bataille qui déjà existe depuis se passer une année. Et c'est quelqu'un qui a pour une Gabdi, et puis la Chine a un nouveau ambassadeur actuellement et dans Washington. Donc, nouveau ambassadeur, bon, M. Dimitri Vigna, c'est venu qui est capable de calmer les relations, bien encore, et pas pour des changements, non, mais diminuer les tensions qui existent entre Washington avec Pékin. Donc, on est des pays, il n'y a pas d'ennemis. Mais il n'y a pas d'amis tout, donc toujours gain et fautement qui fait bouler entre deux pays. Donc l'ambassadeur chinois, nouveau ambassadeur chinois qui est actuellement dans New York, et bien il me dit que la présence de l'esprit que l'on a parlé de ça, c'est mettons une sorte de tampon pour être capable d'améliorer les relations entre deux, depuis grand économie, on a dit. Ouais. Donc et voilà, c'est comme ça. Et puis, autorité on a vu New York, tout local là, le gouvernement local là. Il continue à faire des préparatifs tout pour l'accueillir ou bien encore pour changer ou bien héberger les immigrants qui ont privé sur les pavons et pas paquet. Et surtout les immigrants qui sont dans la zone de Texas, qui ont venu. Donc il a cherché à arranger pour bailler une accommodation, bailler une pour dormir, transformer aussi des locales pour mettre mieux dormir. Dernièrement, il a parlé de transformer le gymnasium et l'école publique
pour être transformé en zone d'abri provisoire. Bon, jusqu'à présent, pas content du tout. Bon, l'école presque fermée là. Donc, très certainement, mais c'est l'école publique. En Haïti, nous avons la deuxième journée forum et sous sécurité avec sécurité et avec élection que ACT a organisé, CEO au conseil de transition a organisé. Il y a cette première journée. Bon, pour le monde qui participe, parce que c'était initiative là, bon, intervention était intervenant était très bon. Mais bon, les critiques, monde qui va d'accord, dit que ça va pas mener aucun côté, c'est seulement une question de justification, et que dit que il y a une condition pour organiser l'élection, et que le gouvernement qui l'a permis, ça n'est pas qu'à organiser l'élection, il y a une provision pour ça, pour c'est des décisions que le point qui n'est pas fondée, qui n'est pas constitutionnelle, mais le point quand même, donc c'est pas une sorte de remise en question. Les monsieur Ariel, le premier ministre Ariel Henry, pas sous pouvoir encore, ou bien qu'on pas sous pouvoir encore, par conseil de questions capable de questionner et choix de nomination qu'il a fait lui-même. Par exemple, même conseil électoral provisoire, c'est tout un problème pour Paris provision pour ce premier ministre provisoire qui fait. Et convocation du peuple dans les élections. Pas de premier ministre, pas de provision. Non, je suis pas de provision pour faire ça. Et puis, c'est l'Office de protection citoyenne qui met dans les deux villages dirigés. Et bien, il a annoncé que la société civile a désigné M. Anel Rémy comme représentant dans le CSPJ. Donc, ballon à brûler, ballon à brûler. Donc je vous dis à ces deuxième journée et forum sous transition. Il y a un forum déjà qui fait selon l'autre groupe qui le fait lui. Et face à eux-mêmes, c'est qui fait lui-même. Donc je vous dis à ces deuxième journée. Et très certainement pas un document qui a sorti dans la deuxième journée ça. Mais il y a plus de questions qu'il a, les élections, et amendements, ou bien encore on passe maintenant la constitution, tout ça. Et c'est le premier ministre qui a battu l'émission pour en février 2024 pour taguer un nouveau gouvernement sous pouvoir. Et jusqu'à présent, bon, pour qu'on ait un conseil électoral là, il y a une sorte de protestation qui est faite, soit fait nomination ou bien désignation représentant différents secteurs dans le conseil électoral provisoire. Mais il y a un secteur qui n'est pas d'accord pour être un représentant, etc. Et pour être représenté. Dans le secteur, par exemple, c'est ce cas pour ANMH, par exemple, la presse, qui a même dit que pour l'instant, ce n'est pas priorité, donc il va décider de désigner un représentant dans le conseil électoral et provisoire. Et puis, alors, nouvelle a apporté que la vie a commencé à prendre timidement sur route Matissan, nous avons été contrôlés. Et que Negami dans la zone Matissan était contrôlé pendant longtemps, était même couru derrière la police, après tout, obligé d'abandonner et le commissaire était dans la zone. Non, et bien, il t'a semblé que la vie a commencé à reprendre. C'est vrai que l'association et propriétaire machine ont demandé des chauffeurs pour ne pas passer dans la zone non, pour te permettre que la police te continue l'opération pour te croire les bandits. Mais il t'a semblé que. Attente, il n'est pas arrivé dans l'heure que tu dois. Donc, en plus, le monde qui est machine, qui est bon pour payer. Donc, à ce moment-là, il dit bon, si vous avez prochain, parce que les kidnappés machines, ils ont kidnappé avec passagers là-dedans. Donc, c'est le propriétaire qui va faire dans la pète dans le moment. Et puis, mais ça n'a pas arrangé du tout, parce que dans la zone, il n'y a pas de changement qui fait, etc. Donc, M. Negame continue à opérer, malgré la police. Continue à opérer, à mener opération de concert dans certains cas avec la population. Ici, opération pour dénicher Negame qui était connu à la terre, qui est obligé d'en manger aujourd'hui. Donc, Negame dans toute zone, à le cacher, à la ville province. Et là, il y a encore, surtout dans la zone Miragouane, ils sont côté, mais ils n'ont pas poché, parce que de poché là, le commissaire a mis mes sous, et de pour recourir dans la zone qu'on n'a pas de pièce d'identité pour identifier, eh bien, on a un gros problème avec la population. Et ça a passé dans, il y a plusieurs incidents qui passent dans la zone Niplan, et il y a plusieurs incidents qui passent dans l'autre côté, dans Ocap, par exemple, il y a d'autres incidents qui passent, par exemple, dans Okaï. Donc, c'est monde qui, parfois, peut-être capable des innocents, et c'est ça qui a été demandé pour éviter que innocents ne payent pour coupable, parce que au moins il y a innocent
Et puis voilà que ils vont côté du parc gagner pour avec ça qui a passé dans Port-au-Prince, etc. Et puis au colon ticket même gang dans colis et puis mais qu'on y a mon sac d'homme. Et puis l'activité a continué et sur plan sportif gagne brésilien Vinicius nous a passé un mauvais moment là dans le championnat dans l'équipe d'IA et côté fanatique qui ont pas fini tellement et supporté monsieur. Donc, bah, monsieur, tout nos gains. Et dernièrement, c'est le président brésilien Luiz Inácio da Silva Lula qui était obligé de même porter support. Bah, monsieur, dans un moment difficile, ça. Mais pas grand-chose qui fait. Alors, il y a eu un incident qui est passé dernièrement. Et côté non match, monsieur, c'est bon, on est un coup de coude. C'est ça qui a été monté, monsieur. Et puis, Abid Avina, Abid Abba, monsieur, en carton rouge. Alors, et Abid qui était là pour te visionner incident, voilà. Abid n'a pas montré l'incident qui a provoqué que M. ait fait geste ça. Mais Abid ça a lui-même tout, il a mis M. sous bon touche tout. Parce que M. Abid s'est là, il a décidé à partir de ça, Abid va la te montrer là. Mais il y a l'autre incident qui est venu avant ça, que Abid va la pas montrer. Donc pour être ça, Fédération Football a pris sanction contre Abid ça. Le voit ça sur comme Dieu, donc il met M. sous bon touche. Donc, nous avons une chance pour nous entendre. On reporte avec les collègues, nous, et Gentil Augustin a préparé pour nous. Et on sait de passer en chaîne de réactions passées sous Vicinius. Donc, et puis, activité pour le football là, nous avons que l'équipe là, qu'on a, c'est l'équipe qu'on ne s'est pas préparé là. Très bientôt, c'est pour la Coupe du Monde féminin, football féminin, et Jeux Amérique et Caraïbes d'eau qui a déroulé dans Salvador, Haïti, et c'est en juin. Haïti a participé dans la compétition ça. Et pour aller tout Coupe de CONCACAF là, Haïti qualifié tout. Haïti a présenté dans la compétition ça, c'est pour fin mois juin. Gain Coupe du monde football féminin tout cap déroulé en Australie. Alors, Coupe de CONCACAF là, lui-même, c'est compétition États-Unis, donc cap déroulé aux États-Unis. Gagne Coupe d'or, Coupe du football féminin qui a déroulé en Australie avec Nouvelle-Zélande. C'est pour juillet, c'est pour fin mois, c'est pour juillet pratiquement, juillet-août. Et puis, donc nous pratiquement gâtés à conseil de compétition qui gagne. Et puis nous rappelons que Boston, dans le basketball, et bien Boston survive. Ma ami va faire un boucher avec. Je pense que ma ami a tout ballon 4-0. Bon, finalement, M. Boston a porté une victoire. Donc, il y a envie encore dans la finale conférence de l'Est là. Donc, on a déjà l'équipe qui a fait finale dans la conférence de l'Ouest là. C'est Denver Nuggets qui, c'est la première fois, a participé dans la finale NBA. Et bien, Kounia a un cinquième match entre Boston avec Miami, donc on a obtenu un résultat ça pour nous, mais qu'on a série 3-1 en faveur de l'équipe Miami Floride là. Voilà, et puis et pratiquement et correspondant à nos collègues dans le pays d'Haïti a suivi pour l'actualité, surtout avec ça qui a dit sur dossier et forum sur sécurité avec élection. Et puis pratiquement, et puis bon, ici à nous travaillons sur le dossier immigration. Bah, c'est qu'à passer Mexique, qu'à des opérations qu'on va faire sur toutes les frontières à net et pour déloger les gens qui tombent les frontières pour mettre un petit peu beaucoup plus à l'intérieur parce que tout le monde sait qui est hébergé et sur frontières, c'est sur le gouvernement mexicain. Oui, parce que même si les gens qui en attendent pour traverser aux États-Unis, même si on qui leur va aller, mais là, ils attendent. J'espère que tout ensemble va prendre une décision de 10 minutes et puis. Pour ça qui concerne visa humanitaire et administration américaine et a annoncé 5 janvier passé pour citoyens 4 pays Haïti, Cuba, Venezuela et puis Nicaragua, et bien ils ont estimé qu'il y a près de 1 500 000 plus de 1 million applicants qui fait applicants et Haïti a 580 000 presque 600 000 personnes qui ont appliqué et que dossier à l'étude. Et que dossier, pourquoi j'ai une réponse
jusqu'à présent. D'après ça, une démarche que chaîne de télévision américaine CBS fait sur le dossier CELA. Donc, au même sous téléphone application, pour alors, le service d'immigration encourage les sponsors pour ne pas payer de doubler l'application. Ils font une application pour et puis demain, ils font l'autre encore, ils font l'autre après demain. Ils disent non, quitter une seule application faite, le système n'a pas marché, il n'a pas de résultat. Donc, seulement ça, besoin, c'est pour un petit passe. Par exemple, un monde qui a fait l'application depuis janvier, par exemple, si je dis, elle n'a pas une réponse. Donc, mon enquête doit décourager, mon doit penser que c'est oublié, et puis le coup, elles font l'autre application encore. Laisse ça au fait que le système, il a l'identité de monde. Donc, alors que il y a des gens qui disent que au monde appliqué pour aujourd'hui et demain, il y a une réponse. Donc, sous point ça, il y a un problème technique qui n'est pas fait pour les gens qui font l'application. Parce que les gens qui ont appliqué depuis janvier, il n'y a pas jusqu'à une réponse, alors que les gens qui ont appliqué dans le mois de mai à là, il y a une réponse. Donc, ça fait que les bénéficiaires, ils sont censés avoir des problèmes avec les gens qui sponsorisent. Voilà. Eh bien, bon. Je dis nous merci, oui, là, je suis bien content de faire parler ça ensemble. Je dis à nous pas pour moi pas dans la base. Moi, la caille, demain, je viens dans la base. Je dis à moi la caille. Que passez une bonne journée tout le monde. Restez bossés sur la voie de l'Amérique, grand pile nouvelle. Et visitez toutes les plateformes, nous, grand pile nouvelle que nous avons mis. Que vous commencez à mettre déjà, donc commencez à garder pour ça qui vient. Et qui sont restez en compagnie, VOA Créole. Moi-même, Joël Philippe, m'a prendre ma casser un débat avec nous pour l'autre jour. On t'a parlé avec nous depuis Hyattsville, dans l'État de Maryland. Bye bye tout le monde.